Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Gaming News, l'endroit où vous aurez toutes les dernières news sur le gaming, Gaming News, sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, vraiment quelque chose d'assez intéressant, tant à la fois PlayStation, Xbox, mais également Nintendo et un petit peu smartphone avec Nintendo. Vous verrez ça dans ce Gaming News en fait, hein, tout simplement. On va commencer par tout ce qui est PlayStation. PlayStation a annoncé, et vous le savez depuis quelques jours, que justement, eh bien, nous allions pouvoir changer de pseudo, puisque depuis la PlayStation 3, nous n'avions pas la possibilité de changer le nom de son compte, hein. Certaines personnes avaient des noms honteux, comme moi par exemple, hein. Mon pseudo c'était Doudouard, enfin c'est encore Doudouard, mais mélange entre Edouard et Doudou, une espèce de vieux pseudo que me donnait mon prof de tennis quand j'avais 12 ans, et du coup, eh bien, l'ensemble, ça donnait un Doudouard, hein. C'est vraiment honteux, c'est vraiment dégueulasse, on est d'accord, on s'esclave, patati patata. Bref, en tout cas, voilà, pour ceux qui souhaiteront changer, eh bien, PlayStation a mis en bêta sur sa PlayStation et sur les comptes PlayStation Network la possibilité de changer de pseudo, mais petite nuance et petit problème, eh bien, ce changement de pseudo a plusieurs problème. Le premier problème, c'est forcément, eh bien, des pertes de sauvegarde, de compatibilité avec les jeux, et aussi des DLC et des contenus payants qui pourraient ne plus fonctionner dans les jeux. Et là, tu te dis, mais attends, mais j'ai juste changé mon pseudo. Si tu perds tes points que t'as achetés avec ton argent réel dans un jeu in-game, bah ça pose un peu problème quand même, hein, je veux pas être méchant. Donc en gros, eh bien, PlayStation, pour l'instant, n'est pas peu fier effectivement d'avoir mis en place ce changement de pseudo, ce qui est gratuit la première fois, puis qui coûte 9,99€ ensuite, hein, 4,99€ pour les membres du PlayStation Store, PlayStation Plus, hein, on s'entend là-dessus. Sauf qu'il y a des petits problèmes pour l'instant, donc très honnêtement, si tu disposes d'un catalogue de jeux absolument énorme sur ta PlayStation, pour l'instant, je te le conseille pas, la stabilité n'est pas exceptionnelle, il y a véritablement un gros problème par rapport à ça. Donc attendons que ça soit stable, attendons que justement on perde pas des sauvegardes dans des jeux qui deviendraient incompatibles, ou perdre des contenus in-game payants, ou perdre des sauvegardes, enfin bref, pour l'instant, je vais rester avec mon pseudo dégueulasse, et on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est bien dommage, parce que Xbox, ils le font depuis un sacré bout de temps, et il s'agirait pour PlayStation de rattraper le train, et ils sont un petit peu en train de le faire, d'ailleurs. Et pour ce qui est de Xbox, alors on va passer de PlayStation 4 à Xbox, et après on terminera par la Switch et par Nintendo, pour ce qui est de Xbox, ils ont prévu de sortir, ou en tout cas, il y a 4 ans, hein, la Switch sortie il y a un an et demi, il y a 4 ans, eh bien, Xbox prévoyait de sortir une manette, qui est juste ici, une manette qui va, eh bien, s'accrocher à votre smartphone à droite et à gauche pour jouer au jeu Xbox dessus. On voit ces derniers temps le service du Xbox Now, je sais plus comment il s'appelle, de streaming de la plateforme Xbox et des jeux Xbox vers le mobile, ce qui tend à penser que justement Microsoft souhaiterait effectivement sortir cette manette qui se met sur le smartphone à la façon des Joy-Con sur la Switch. Le problème, c'est que de 1, effectivement, au final, s'ils le sortent maintenant, bah oui, ça ressemble quand même beaucoup au Joy-Con de la Switch qui s'accroche sur le côté. Et de 2, les modèles qui sont que vous voyez juste ici sont des modèles un petit peu anciens qui datent d'il y a 4 ans où les smartphones étaient vraiment différents sur les côtés et où les systèmes d'accroche de cette manette Xbox recouvraient un petit peu l'écran. Et maintenant, eh bien, l'écran étant complet sur les mobiles en général, hein, sur les iPhones notamment, eh bien, il faudrait pour Microsoft changer complètement sa manette s'il souhaite effectivement le sortir. D'un côté, moi je trouve que c'est une bonne idée. Parce que, tout simplement, le mobile tend à se démocratiser de plus en plus. On a quasiment tous un mobile. Et avoir accès à ces titres Xbox ou PlayStation, hein, même après, sur son mobile, et de pouvoir accrocher une manette Xbox, je trouve ça extrêmement intelligent. De l'autre côté, c'est une mauvaise idée parce qu'ils vont s'attirer les foudres de quand même pas mal de personnes qui vont crier au plagiat, même si ce n'est pas du plagiat. Je vais pas retourner dans les termes exacts du plagiat, mais ce n'est pas du plagiat, sachant qu'en plus, hein, il y a 4 ans, c'était un projet qui était déjà chez Microsoft. Bref, c'est pas du plagiat. Ils vont s'attirer les foudres de pas mal de personnes, et surtout il va falloir que ça puisse s'adapter à pas mal de smartphones. Donc, bah, les smartphones étant tous différents, ça va être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle de manette Xbox que je juge, à mon sens, quand même relativement intéressant avec le service du Xbox Live, Xbox Now, je sais plus comment il s'appelle, le service Xbox où tu peux jouer à tes jeux sur mobile et les streamer. La troisième news, eh bien, c'est une news qui nous vient directement de Nintendo, et apprêtez-vous à être choqué, eh bien, Nintendo prévoirait potentiellement de porter Zelda et Donkey Kong sur mobile. On reste dans l'univers du mobile. Je vous parlerai également après de Mario Kart
Tours, il y a eu un dépôt de marque qui a été repéré, dont eh bien Mario versus Donkey Kong, qui sortirait potentiellement sur mobile, hein, vous connaissez ce fameux jeu Mario versus Donkey Kong qui est un grand classique, mais également eh bien Zelda Spirit Tracks, qui est quand même un des jeux DS assez connu. Alors j'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup, j'avais commencé à y jouer, et qui se prête vraiment à un gameplay relativement tactile et complètement tactile sur l'écran de la DS, donc potentiellement le porter sur téléphone portable, c'est pas idiot, hein. Nintendo tend à vouloir en fait s'investir de plus en plus dans les téléphones portables. On l'a vu notamment avec le fameux Dragalia Lost, qui avait eu un départ en demi-teinte et qui au final fonctionne vraiment très très bien. Le Fire Emblem, dont la mise à jour 3.0 devrait débarquer dans pas longtemps. Le très mitigé Animal Crossing Pocket Camp. Et etc, etc. Donc Nintendo prévoirait de lancer l'artillerie lourde sur téléphone portable. Je vous parlerai de Mario Kart Tour juste après, avec un fameux Zelda Spirit Tracks mobile qui sera en fait l'adaptation, mais pour le tactile du téléphone, et également un justement Mario versus Donkey Kong. Et puis eh bien la news par rapport à Mario Kart Tour, dont nous n'avions plus de nouvelles depuis quand même un sacré bout de temps, hein. Moi je commence à m'inquiéter, à me dire que finalement l'annonce avait été faite dans le vent, mais c'était un petit peu mal connaître Nintendo. Il nous avait annoncé le sortie de ce titre avant la fin de l'année fiscale 2018, qui correspond en fait à mars 2019, hein, si on veut être précis. Et bien justement, Reginald Fils-Aimé a précisé que le jeu sortirait bien avant la fin de l'année fiscale, donc avant mars 2019. Le Mario Kart Tour sera, et je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne, vous tapez Mario Kart Tour OMB, vous trouverez la vidéo, qui sera un jeu totalement gratuit, avec des contenus très certainement payants, peut-être plus de courses, peut-être plus de personnages, peut-être de l'argent in-game, je ne sais pas comment ça va se présenter, mais en tout cas Nintendo prévoit de sortir effectivement Mario Kart Tour avant mars 2019, et c'est ce qui était un petit peu rassurant par rapport à ça, hein. Clairement, moi ça m'a rassuré par rapport à ça, et je suis content de savoir que on va pouvoir jouer à Mario Kart Tour sur notre téléphone portable. Et la dernière news concerne Pokémon qui s'est laissé entrevoir à l'occasion d'Halloween, avec justement eh bien la ville de l'avant-ville qui nous a été montré, hein, tout simplement, pour l'occasion. Et ça a été aussi l'occasion de nous préciser que le jeu pèsera 4,1 giga d'espace libre sur votre Nintendo Switch si vous souhaitez le télécharger, mais également quelques petites informations supplémentaires. La première information supplémentaire, c'est que Pikachu et Evoli disposeront de capacités exclusives à chaque Pokémon, et Evoli, par exemple, disposera de Glitzglau et Balibad, qui sont les noms anglais de ces techniques, même si on ne connaît pas encore les types précis de ces capacités. On apprend également que vous allez pouvoir également parler à une voyante qui vous aidera à déterminer la nature des Pokémon que vous allez rencontrer. Donc, eh bien, du coup, ça va vous permettre d'obtenir, en rencontrant des Pokémon sauvages, eh bien, un petit peu savoir un petit peu ce que vous allez rencontrer. Et ça, je trouve ça pas mal. Est-ce que ça va permettre un petit peu de changer le jeu à l'intérieur ou pas? Je ne sais pas. La présentation a également confirmé le retour du juge des 4 et son affichage sur l'écran des stats des Pokémon, mais il faudra les débloquer en fonction, mais il faudra débloquer la fonction correspondante, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Également la possibilité de débloquer une fois par semaine une boîte mystère permettant de recevoir Meltan lorsque on va transférer un Pokémon de Pokémon Go vers Pokémon Let's Go, donc du téléphone portable vers la Nintendo Switch. Une fois par semaine on recevra une boîte mystère permettant de recevoir Meltan, donc ça c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais c'est déjà une bonne chose. Et la dernière nouvelle par rapport à Pokémon, eh bien, le réalisateur Junichi Masuda a récemment accordé une interview à The Pokémon Company International pour son site américain, et a justement exprimé le fait qu'il allait laisser eh bien, la nouvelle génération de développeurs et de réalisateurs de Pokémon travailler sur Pokémon, qu'il arrêtait son travail sur Pokémon pour l'instant, hein. À titre de souvenir, c'est lui qui avait travaillé sur Pokémon Ruby, Saphir, Rouge Feu, Verfeuille, Diamant, Perle, Noir, Blanc, X et Y. Et bien, le monsieur va se retirer après Pokémon Let's Go pour laisser davantage eh bien, les jeunes travailler et la nouvelle génération travailler sur Pokémon. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. C'est un grand nom qui s'en va de la licence Pokémon, et on espère que la nouvelle génération, j'en suis certain, fera des choses plutôt bonnes. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce Gaming News, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des petites choses, et j'espère qu'il vous a vraiment intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont juste là, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, ça dépendra encore toujours de toi, d'ailleurs ton écran. Salut, salut.